Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Écoute, ton Dieu t'appelle. Viens et suis-moi. Écoute, ton Dieu t'appelle. La vie que le Père donne en abondance, et la vraie lumière, la vérité qui rend libre, sa parole vient réveiller dans nos cœurs. Écoute ton Dieu t'appelle. Lève-toi et ne crains pas de marcher avec lui. Et Seigneur, tu nous as permis de nous lever ce matin pour venir te rencontrer, pour venir marcher avec toi, marcher dans tes pas. Écoute, ton Dieu t'appelle. Chemin que par toi, Seigneur, parce que tu as dit: je suis le chemin, la vérité
et la vie. Oui, Seigneur, nous avons écouté ta voix ce matin nous dire « Viens, suis-moi ». Alors nous sommes là, Seigneur, réunis pour toi, pour te dire que nous avons confiance en toi, que vraiment nous savons que tu es le bon chemin. Oui, Seigneur, tu es le bon chemin. En toi, nous y trouvons notre force, notre paix, et tu nous donnes la joie d'être avec toi. Sois béni, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom. La vérité aux nations. Oui, la vérité, c'est que toi seul, Seigneur, es la source de la joie. Oui, nous devons le crier haut et fort que toi seul, Seigneur, nous as sauvés. Et toi seul es source de la joie. Nous voulons le dire à tous, à vous tous qui écoutez. Vous trouverez la paix, la joie, l'amour que en Jésus seul, qui nous a sauvés sur la croix. Tout a été gagné au prix de son sang versé pour chacun de nous. Merci Seigneur et gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom, ô Dieu très saint. Gloire à toi, Seigneur, pour toi le roi des rois. Amen. Maranatha. Oui, Seigneur, c'est vrai, c'est toi le seul qui est la source de la vraie joie. Nous pouvons, dans les courants de la vie, dans les jours, découvrir des joies, mais qui sont des joies éphémères. Par contre, toi, Seigneur, tu peux nous donner cette joie éternelle, cette joie durable. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Gloire à toi, Seigneur, source de toute joie. Gloire à ton nom. Tu es la lumière qui éclaire nos pas. Oui, toi es venu dans la lumière, la lumière est venue dans nos ténèbres. Oui, tu veux éclairer, voir encore tout ce qui ne va pas en nous, de te le déposer dans ton cœur, Seigneur.
Oui, déposons tout, toute souffrance, inquiétude, peine, doute. Nos enfants, petits-enfants, tout, nos familles, les malades, nous déposons maintenant tous dans ton cœur, ouvert. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il vient m'ouvrir. J'entrerai chez lui pour prendre mon repas. Moi près de lui et lui près de moi. Je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il vient m'ouvrir. J'entrerai chez lui pour prendre mon repas. Moi près de lui et lui près de moi. Seigneur, tu es là et tu attends que l'on vienne vers toi. Voilà, tu es toujours présent. Quoi que l'on fasse, le bien, le mal, tu es là et tu es tellement miséricordieux et tu es tellement plein d'amour que tu es là. Tu nous ouvres la porte si on t'écoute. Oui Seigneur, nous sommes tes enfants et tu nous aimes. Alors ouvrons-lui notre cœur, ouvrons-lui la porte pour qu'il vienne en nous. Nous donner sa paix et sa joie. Merci Seigneur, merci. Nous sommes tes enfants et tu nous aimes. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, je leur donne la vie en abondance. Je suis le bon berger, je connais mes brebis, je leur donne la vie en abondance. Oui Seigneur, tu as mis cette petite graine, la graine de la foi, la graine de la confiance dans chacun de nos cœurs. Et ce matin, vraiment, on est tous invités à ouvrir ce cœur, à faire grandir cette petite graine. Alors vraiment, manifestons notre joie de te connaître, de te posséder, enfin de nous avoir, de t'avoir en nous, dans notre cœur, pleinement, Seigneur. Amen. Amen. Oui, tu n'as pas eu besoin de nous pour nous choisir. C'est toi qui nous as choisis, Seigneur. C'est pas nous, c'est toi qui nous as choisis. Mais par contre, tu as besoin de notre oui pour entrer dans nos vies. Nous seuls détenons la poignée de cette porte, la porte de notre cœur. Et c'était à nous de dire oui, oui ou non. Nous avons cette liberté, tu nous as donné cette liberté pour que tu entres dans nos vies. Celui qui m'aimera gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Celui qui m'aimera gardera ma parole. Mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Je crois
crois que ce matin, on est vraiment tous invités à le donner, ce oui. Est-ce qu'on est tous prêts à le crier? Seigneur, oui, je t'aime, oui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Oui, Seigneur, oui, Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Que vienne manger avec moi. Oui, parce que tu as dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Devant toi, j'ai mis le bonheur ou le malheur. Que choisis-tu? Bien sûr, nous choisissons le bonheur. Alors peut-être on a encore du mal à libérer notre cœur. Il y a plein d'attaches en nous qui nous demandent du temps de dire le oui. Et Seigneur, tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu nous as laissé ton esprit, l'Esprit Saint, pour nous aider à justement dire le oui, pour nous aider à nous libérer. Alors Esprit Saint, sois sur ce lieu maintenant, pour nous aider à nous libérer et à te dire oui Seigneur, je veux être avec toi tout au long des jours qui viennent, je veux être avec toi. Viens Esprit du Dieu vivant, renouvelle tes enfants. Viens Esprit Saint, nous brûler de ton feu. Dans nos cœurs répands tes dons, sur nos lèvres inspire nos chants. Viens Esprit Saint, viens transformer nos vies. Esprit de lumière. Nous avons la volonté de te suivre, Seigneur, mais parfois c'est difficile, les chemins sont durs, on est faible. Alors,
Appelons l'Esprit Saint. Lui seul peut nous aider à avancer, à transformer nos vies. Oui, Seigneur, tu nous as envoyé ton Esprit, car tu nous connais. Et l'Esprit Saint nous aide à avancer. Alors invoquons l'Esprit Saint à chaque moment où nous sentons notre foi diminuer, des difficultés. L'Esprit Saint est là, il nous aide à avancer. Merci Esprit Saint de nous accompagner chaque instant de notre vie. Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. Oui, peut-être que tu te sens indigne, que tu dis non, je ne peux pas accueillir Jésus dans ma vie, mais c'est là justement que le Seigneur t'attend. À toi qui te sens pas digne. Oui, parce qu'il a dit, je suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les pécheurs et les souffrants et les malades. Il est encore plus proche de toi. Et c'est ce feu dont il veut nous brûler, ce feu de la miséricorde. Oui, ton feu de l'Esprit Saint, ton feu d'amour. Cet amour qui guérit. Oui, on le voit sur sa dernière parole. Sur la croix où il dit « j'ai soif de toi mon enfant, j'ai soif de ton amour. Donne-moi tout ce qui ne va pas bien, ce qui est moche dans ta vie, mais donne-moi-le. J'ai soif de ton amour. » Et si nous lui donnons tout, alors il nous embrase, il veut. Il attend que ça, nous embraser par ce feu de la miséricorde, ce feu d'amour. Veni Sancte Spiritus. Oui, viens Esprit Saint, viens, viens me libérer, viens, viens dans tous les cœurs. Oui, à toi qui écoutes là, oui, laisse-toi consoler, laisse-toi guérir. Laisse-toi visiter en ce moment. Oui, ouvre grand ton cœur. Le Seigneur veut te serrer dans ses bras, accueille. Accueille cet amour, laisse-toi aimer. Tu répands sur nos plaies ta douceur et ta paix. Tu répands ta clarté sur nos nuits de péché. Viens, Esprit de sainteté. Viens, Esprit de vérité. Viens, Esprit de feu. Viens, Esprit de feu, viens, Esprit.
pardon pour renaître à la vie. Tu sanctifies les dons de nos Eucharisties. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de vérité, viens, Esprit de feu, viens, Esprit de Dieu. Justice pour moi, Seigneur. Moi, j'ai marché en mon intégrité. Je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe. Chez l'hypocrite, je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants. Avec l'impie, je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en l'innocence et tourne autour de ton autel, Seigneur, faisant retentir l'action de grâce, en redisant toutes tes merveilles. Seigneur, j'aime la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux pécheurs, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Pour moi, je veux marcher en mon intégrité. Rachète-moi, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je bénirai le Seigneur dans les assemblées. C'est le psaume 26. Justice pour moi, Yahvé. Moi, j'ai marché en mon intégrité. Je m'appuie sur Yahvé et ne dévie pas. Scrute-moi, Yahvé. Éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe chez l'hypocrite. Je ne veux pas entrer. J'ai détesté le parti des méchants. Avec l'impie, je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en l'innocence et tourne autour de ton autel, Yahvé, faisant retentir l'action de grâce. Énumérant toutes tes merveilles, Yahvé, j'ai la beauté de ta maison et le lieu du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux pécheurs, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Pour moi, je veux marcher en mon intégrité. Rachète-moi, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin. Je bénirai Yahvé dans les assemblées. Scrute-moi, Seigneur, éprouve-moi. Passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour et je marche en ta vérité. Oui, Seigneur, nous avons chanté « Ne crains pas de marcher avec lui ». Et là, tu nous redis de suivre ton chemin. Tu es le chemin, la vérité et la vie. Si on suit ton chemin, nous trouverons la joie, la paix. Alors guide-nous, Seigneur. Sois notre chemin. Merci, Seigneur.
Oui, Seigneur, vraiment, ton enseignement ce matin était vraiment l'invitation à suivre ce chemin. Depuis le début de notre prière, ça a été vraiment l'enseignement. Eh bien, on va pouvoir ensemble, avec cette même confiance, prendre les pas du Seigneur en lui redisant sa prière, la prière qu'il nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas rentrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chez nous, soyez reine, nous sommes à vous, régnez en souveraine. Salut Marie, pour toutes les grands-mères, nous leur souhaitons d'abord une bonne fête et on va dire un je vous salue Marie pour toutes les grands-mères qui n'ont pas la chance de voir leurs petits-enfants pour quelque raison que ce soit. Alors Marie, nous te confions toutes ces grands-mères. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur. Vous êtes bénie entre toutes
Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen.